Bonjour à tous, les suites de l'attaque du pont reliant la Crimée au territoire russe. Le pont est en partie réparé. Après l'explosion d'hier sur le pont en Crimée, Moscou annonce la reprise de la circulation. Alors ces automobilistes patientent et espèrent pouvoir passer. Je n'ai pas peur, je veux juste prendre la route. Pas effrayé ? Pourquoi ? Je veux juste rentrer chez moi. Côté russe, dans la dernière gare avant la Crimée, les voyageurs aussi veulent prendre leur train. Nous attendrons pendant qu'ils vérifient ce qui se passe avec les voies ferrées. Nous espérons qu'il n'y a rien de grave. Alors, des bombardements sur des positions stratégiques, nous dit Moscou, en réponse donc au bombardement du pont. Moi, une question me vient à l'esprit. Pourquoi, si ces frappes sont stratégiques, n'ont-elles pas eu lieu avant? Enfin, moi, ça me paraît complètement évident. La capitale ukrainienne n'avait pas été bombardée depuis juin dernier. Au total, la Russie aurait lancé 75 missiles sur l'Ukraine ce lundi matin, selon l'armée ukrainienne. Moscou aurait bombardé l'infrastructure énergétique de l'Ukraine à l'aide de drones iraniens, d'après le président Zelensky. Outre la capitale, ont également été frappées les régions de Lviv, Dnipro, Vinnytsia, Zaporizhia ou Kharkiv. Il y a eu un changement de commandement chez les Russes. Il est le nouveau commandant de l'offensive russe en Ukraine. Sergueï Sourovikin, 55 ans, a été nommé ce samedi. Il a participé à de nombreuses opérations militaires depuis les années 90, notamment l'intervention russe en Syrie en 2015. Alors, les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir saboté le pont. Les services secrets russes sont accusés par les Ukrainiens d'avoir saboté le pont. Alors Vincent Herouet lui dit stop, assez, on en a marre. Vladimir Poutine va réunir aujourd'hui son conseil de sécurité au lendemain de l'explosion qui a frappé le très stratégique pont qui relie la Crimée et la Russie. Le président russe accuse les Ukrainiens de terrorisme. Oui, le pont de Kerch a une importance stratégique et surtout symbolique. Poutine l'a voulu, il l'a inauguré, il a même été le premier à l'emprunter au volant d'un camion. Tout le week-end, les dirigeants ukrainiens se sont mordus les lèvres pour ne pas hurler de joie. Ils ont revendiqué le coup à demi-mot, puis ils ont démenti mollement. Et finalement, ils ont accusé les services secrets russes de s'être livrés à un règlement de compte obscur. C'est le détail qui tue, c'est le retour du syndrome libanais. C'est-à-dire, Vincent ? Dans les années 80, le Liban était la foire d'empoigne des milices, des voisins, des parrains de la région, des grandes puissances. La guerre de tous contre tous. J'avais là-bas un ami très intelligent, on va l'appeler Joe. Joe est un professionnel du renseignement, expert en morts violentes. Joe m'expliquait après chaque attentat que celui qui avait fait le coup n'est pas celui à qui il profitait, mais un troisième qui voulait incriminer le suspect le plus évident, ou encore un quatrième qui voulait aggraver le chaos. Cette mise en abîme vertigineuse, c'est le syndrome libanais. Aujourd'hui, il y a un syndrome ukrainien. Alors, quand le pont de Crimée saute, Kiev accuse les services russes, sans rire. Quand les lignes électriques qui alimentent la centrale nucléaire de Zaporizhia et assurent le refroidissement du réacteur sont coupées, Kiev prétend qu'elles ont été bombardées par les artilleurs russes. Ils mettent en danger l'installation qu'ils occupent et qu'ils viennent d'annexer. On n'est pas plus maladroit. Quand une journaliste est assassinée à côté de Moscou, encore les services russes, ils visaient son père, Alexandre Douguine, un intellectuel qui inspire Poutine, mais qui n'est pas monté dans la voiture piégée, la presse française reprend cette théorie et enterre la consoeur sans verser une larme. Quand Nord Stream 1 et 2
sont sabotés en mer Baltique, envoyant par le fond 13 milliards de dollars et créant l'irréversible. Encore un coup des Russes. Je vous sens sceptique, Vincent. Ben, les affaires libanaises ont fini par être élucidées. 10 ans après, les témoins parlent, les archives s'ouvrent. Et l'hypothèse la plus simple, c'est toujours vérifier. Ce sont bien les Syriens qui ont tué Béchir Gemayel. Ce sont bien les forces libanaises qui ont fait sauter l'hélicoptère du Premier ministre Rachid Karameh. Et ce sont bien les Iraniens et le Hezbollah qui ont pulvérisé Rafik Hariri, etc., etc. Le New York Times, citant des sources du renseignement américain, a rapporté que les services ukrainiens avaient tué Daria Dugin et raté son père. On comprend que les Ukrainiens détestaient le vieux théoricien du panslavisme qui prétend que leur nation n'existe pas. De là à mettre une bombe dans sa voiture, il y a un pas que les démocraties s'interdisent de franchir. C'est du terrorisme d'État. S'il s'avère que pareillement, les services américains ou occidentaux ont saboté les gazoducs, ce qui serait d'ailleurs logique, mais sans précédent, on saura que désormais toutes les provocations sont permises et que Poutine n'est pas le seul à jouer avec le pire. L'Arabie Saoudite et l'OPEP, en général, ont réduit leur production d'hydrocarbures. Et l'Algérie, également. Alors, que va faire Madame Borne en Algérie ? 2 millions de barils en moins par jour, ça aura quel effet pour les consommateurs ? C'est effectivement un volume important. Il s'agit des réductions de production les plus importantes décidées par l'OPEP+, depuis le printemps 2020, en pleine période, en pleine pandémie de Covid-19. En anticipant cette décision, les marchés pétroliers avaient déjà poussé les prix du pétrole à la hausse au cours de ces derniers jours, mais les marchés anticipaient plutôt une réduction de la production de l'ordre de 1 million de barils par jour. Or, c'est le double qui semble avoir été décidé par l'OPEP+. Quelles sont les raisons qui poussent l'OPEP+ à baisser donc drastiquement sa production alors que les prix à la pompe sont déjà très élevés ? L'OPEP+, comme pas mal de personnes d'ailleurs, dans les milieux pétroliers ailleurs, s'inquiète face au ralentissement économique mondial depuis la guerre en Ukraine. Ralentissement économique mondial qui est certain, mais qui pourrait éventuellement se transformer en récession, donc recul de l'activité économique mondiale en 2023. Cela veut dire que le monde va consommer moins de pétrole puisque l'économie mondiale sera en récession. Et donc, par conséquent, cela fera chuter les prix, peut-être de façon extrêmement importante. Une dernière question plus géopolitique, Francis Perrin. Les Américains demandaient une hausse de la production pour faire baisser les prix. Là, les Saoudiens vont à l'encontre de leur allié historique. Ça pourrait être un point de friction avec les Américains. Mais les Américains sont à la manœuvre depuis plusieurs mois pour faire que l'OPEP+ produise plus. Et là, non seulement ils vont produire moins en novembre, mais nettement moins. Donc à Washington, à la Maison-Blanche, on est forcément très très mécontent et il se peut qu'il y ait certaines représailles. Il n'y a pas l'OPEP, l'organisation des pays producteurs de pétrole, qui ont hier décidé, l'Arabie Saoudite en tête, de diminuer de 2 millions de barils jour leur production, pour encore hausser le prix du pétrole. Et Biden est fou furieux. En France, une grève qui paralyse nos raffineries. Il manquait plus que ça. Eh bien, justement, le problème, comme le reconnaît en privé ce conseiller de l'exécutif, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Au gouvernement, on considère que s'il y a ces pénuries de carburant, c'est de la faute de Total et des difficultés des relations sociales internes à l'entreprise. Le dossier est quand même géré à Matignon, qui a validé la libération de certains stocks stratégiques, c'est-à-dire les entrepôts de pétrole gérés par l'État et non par les compagnies pétrolières. Elisabeth Borne se veut optimiste. Depuis l'Algérie où elle était en déplacement, l'hôte de Matignon a promis hier une sortie de crise et une amélioration de la situation pendant la semaine. Elisabeth Borne fait le pari que la pression mise sur Total, qui a accepté d'avancer d'un mois ses cycles de négociations sur les salaires, aboutira à un geste de souplesse de la part de la compagnie pétrolière, ce qui peut d'ailleurs provoquer de l'inflation. Mais le problème politique est là.
Une station-service sur trois en France est à sec. On monte même à 55% dans les Hauts-de-France, avec une opinion publique qui a du mal à comprendre comment on en est arrivé là, d'autant que cette crise n'a aucun lien avec la guerre en Ukraine. Louis, s'il y aura encore du gaz pour cuire la dinde à Noël pour cause de guerre en Ukraine, vérifiez que vous avez bien fait le plein de la voiture pour cette semaine. Une station sur trois à sec d'au moins un carburant, nous disait Emmanuel Ducrot il y a à l'instant. Une sur deux en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. Voilà que la CGT invente la pénurie par surprise. Bon, par surprise, ça fait deux semaines, l'air de rien, qu'elle a commencé cette grève, mais médiatiquement, elle est née en toute fin de semaine. Vous voyez, grève dans les raffineries du pays. Alors, c'est simple, des raffineries, vous en avez six, ça va relativement vite. Quatre total, deux ExxonMobil. Grève pour les salaires qui provoquent des ruptures d'approvisionnement. Mais ils sont où, les ministres, pour débloquer les blocages? Voilà ce que se disent les gens, ce qu'on entendait ce week-end un petit peu dans les files d'attente. Or, le message gouvernemental, ben voilà, c'est de dire non, c'est pas une pénurie, c'est un conflit privé, cette histoire. C'est interne à Total. Peut-être aussi que les Français qui ont besoin de cette essence pour aller travailler sont un peu échaudés aussi des communications du gouvernement qui vous expliquent qu'il n'y aura pas de problème, il y a systématiquement un problème deux jours après. Oui. Donc à partir du moment où vous prononcez le mot, vous créez la réalité et qui de fait... André Bercoff explose. Bien, et le pétrole, et le gaz, et l'électricité, et qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit sobriété, attention, serrez-vous la ceinture, oui, vous avez vécu à crédit, oui, vous avez vécu dans le stupre et la débauche, oui, vous avez vécu dans l'insouciance, mais c'est terminé. Ah bon, pourquoi? Ah ben ça, c'est un autre problème, ça. C'est à cause des Russes, ou c'est à cause des gouvernements précédents, ou c'est à cause de ceci, cela. Non, pour le moment, le mot d'ordre, c'est pénurie. Pénurie, vous êtes sûr? Ah ben non, pas du tout pénurie. Écoutez, Olivier Véran, qui a été le formidable ministre de la Santé que l'on a connu pendant toute la période Covid, et qui est maintenant le formidable porte-parole du gouvernement, eh bien, alors, monsieur le ministre, pénurie or not pénurie? Certaines stations sont victimes de leur succès, puisque la baisse des prix est telle à la pompe, et c'était une demande des Français, qu'il peut y avoir des tensions sur la disponibilité d'un ou plusieurs carburants dans les stations. Mais il n'y a pas de pénurie, ça c'est un point qui est important. Ah bon, alors il n'y a pas de pénurie, donc tout va bien, tout le monde peut se balader, tout le monde va bien, prenez votre voiture, c'est le week-end, allez vous balader, retrouvez votre famille, vos amis, vos amours, amusez-vous vraiment et allez-y, à plein gaz. Comment? Pas à plein gaz? Eh bien, il y en a qui vont, et puis on va regarder les stations-service, notamment telle ou telle, notamment Total ou autre, et on entend ceci. Écoutez. Devant cette station, les coups de klaxon s'enchaînent. La file de voitures s'allonge sur la route. Les employés doivent gérer des clients parfois mécontents, surtout lorsque la station est contrainte de fermer, faute de carburant disponible. Si vous fermez, je ne travaille plus. On n'a pas de carburant. Je suis taxi, monsieur. On paye des charges. On est fatigué. On fait 10 stations, on ne trouve pas de carburant. C'est inadmissible. Je n'ai pratiquement plus rien de tout. Je ne peux plus prendre de course. Ça fait 15 ans que je suis taxi. Vous avez déjà vu ça? Jamais vu. Bah oui, jamais vu. Écoutez, soyez un bon citoyen et attendez la voiture électrique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, hein? Bah, pour le moment, c'est comme ça, mais c'est conjoncturel. C'est parce que il y a eu un grève dans les stations Total et compagnie ou autres, et puis que voilà, les cuves sont vides parce que tout le monde s'est précipité parce qu'ils pensaient qu'il y allait avoir une crise. Alors vraiment, ces Français, mais ils se précipitent pour rien, pour rien, pour rien, pour rien. Ah bon, il n'y a pas d'embargo sur le pétrole russe, il n'y a pas le pétrole qu'on achète à l'Inde, hein, beaucoup plus cher, il n'y a pas d'embargo sur le gaz, c'est encore autre chose. Pas une certaine guerre Russie-Ukraine et Zelensky qui disent allez, il est temps de lancer quelques petites bombes atomiques, et Poutine qui dit bah, nous n'hésiterons pas à la bombe atomique nucléaire. Et alors, ces Français, eh ben, avec tout ça, mais qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est de l'anecdote. Eh ben, ces Français, ils se précipitent à la pompe pour remplir leur réservoir. Mais enfin, Français, vous n'avez pas autre chose à faire? Vraiment. Mais non, mais tout ça, ça va s'arranger. Tout ça, c'est rien. Tout ça, c'est des anecdotes. Ça va s'arranger. Ce sont des anecdotes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ils sont là, ils nous demandent, les auditeurs de Sud Radio, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Agnès Pannier-Runacher le dit. Elle dit, voilà ce qu'elle dit. Elle dit, transition énergétique, eh bien, apprenez à la sobriété.
sobriété. La sobriété. Mais ça veut dire quoi, la sobriété? Très, c'est bien. Nous publierons chaque semaine notre consommation d'électricité de gaz. Écoutez Agnès Pannier-Runacher. Pour atteindre nos objectifs de sobriété énergétique, nous allons évidemment mobiliser les citoyens. Alors, je vais le redire, on ne demandera jamais à des Français qui sont en situation de sobriété subie, qui ne sont pas en capacité de chauffer dignement leur logement, qui comptent pour aller faire leur plein, de faire des économies. Au contraire. Alors voilà, voilà un nouveau mot. Écoutez, c'est quand même mieux que les sans dents de François Hollande, c'est quand même mieux. On dit, on dira plus les pauvres déjà, comme vous savez, on dit les malentendants, les malvoyants, les personnes de petite taille. Le langage a changé. Eh bien, Agnès Pannier-Runacher, qui est véritablement, allez, la refondatrice de la langue française, a trouvé les personnes à sobriété subie. Oui, vous n'êtes plus pauvre, vous n'êtes plus dans la misère, vous êtes dans la sobriété subie. C'est pas beau ça, voilà. Donc on aura 800 millions d'euros pour accompagner les gestes de la sobriété dans les bâtiments, les transports, les collectivités. Et le combat ne s'arrêtera pas à l'hiver 2023, mais nous verrons tout, nous ferons attention, les entreprises, l'État, les collectivités locales prennent des engagements sur la réduction effectivement de la consommation d'électricité, de gaz, etc., etc. On est obligé. 10%, ce sera le contrat stakhanoviste qui va nous occuper et qui va nous occuper magnifiquement pendant X temps. Vous allez faire comment, vous, alors, au gouvernement, à l'Élysée, dans les ministères, vous allez tout réduire. Oui, on va tout réduire. Nous allons être véritablement des citoyens sobres. Évidemment, nous subissons, mais que voulez-vous faire? Et je terminerai par ce proverbe que j'adresse au prince qui nous gouverne. Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Ne soyez pas imbécile. Les agriculteurs français s'inquiètent. Oui, représentants des supermarchés, des industriels et des agriculteurs parlent d'une seule voix pour dénoncer la hausse disproportionnée des coûts de l'énergie. En clair, ce qui est dans nos assiettes risque à terme de nous coûter beaucoup plus cher, plus 15%. Le vice-président de la FNSEA, Henri Biespéré, est éleveur laitier dans les Pyrénées-Atlantiques. Il explique pourquoi l'État doit agir. Vu l'augmentation des prix, forcément, il y a urgence à prendre des décisions. Il faut qu'il y ait une intervention de l'État, donc soit pour limiter l'augmentation des prix de l'énergie, soit pour le compenser par des aides directes, ou alors la troisième solution, c'est que ces coûts supplémentaires soient répercutés aux consommateurs, et là probablement que l'État devra intervenir auprès du consommateur pour qu'il puisse continuer quand même d'avoir accès à la nourriture, en particulier pour ceux qui ont les plus faibles revenus. Moi, je suis pas étonné par la hausse annoncée de 15% du panier de la ménagère en bout de chaîne. Le choix va se poser à l'agriculteur. Est-ce que je rachète des jeunes animaux pour les engraisser, sachant que je vais payer un aliment plus cher et une énergie plus chère, ou est-ce que je ne remplis pas mon bâtiment? Donc derrière, si l'agriculteur ne remplit pas son bâtiment, eh bien, c'est de la nourriture qui va manquer sur les rayons d'ici donc 4 à 6 mois. Le temps d'engraissement à peu près des animaux. Le vice-président de la FNSEA, joint par Aurélien Fleureau. Oui, moi je me rappelle vraiment de ce crash Rio Paris. D'autant plus que moi je prenais régulièrement ces vols. Airbus et Air France sont jugés pour homicide involontaire. Oui, mais les deux entreprises françaises se renvoient la balle et les responsabilités pour Danielle Lamy, la présidente de l'association Entraide et Solidarité, une association des parties civiles. Eh bien, ce procès, c'est la fin d'un long parcours judiciaire, d'un long parcours de combattants qui a fait une bataille d'experts et de contre-experts. D'ailleurs, la justice avait prononcé un non-lieu, vous le disiez, Julia, avant de requalifier les faits pour homicide involontaire. Daniel a perdu son fils lors de ce vol. Eh bien, j'ai pu m'entretenir avec Sébastien Buzy, l'un des avocats des parties civiles. Et pour lui, justement, le procès fait l'occasion de tirer les responsabilités d'abord des industriels français et puis de comprendre si il y a eu des défaillances. Elles sont-elles humaines ou alors techniques, ou alors les deux? D'abord, selon les investigations du BEA, Bureau Enquête Analyse, qui avait établi un diagnostic dès juillet 2021, une série de défaillances à la fois humaines et techniques
sont à l'origine de cet accident. Durant 8 semaines de procès, on va essayer de comprendre pourquoi les pilotes ont interprété mal d'abord les informations qu'ils recevaient, pourquoi il y avait cette sonde Tito qui leur transmettait de mauvaises informations. En d'autres termes, les pilotes étaient pris dans un poteau noir, une tempête gigantesque avec des fortes turbulences. Et bien, au lieu, ils ont eu l'impression que l'avion piquait du nez, et bien, ils ont donné des coups de manche pour pouvoir remonter l'avion qui s'est cabré. Et bien, il a fallu 4 minutes à l'avion pour perdre de l'adhérence et pour perdre de la portance. En 4 minutes, il s'est écrasé en plein Atlantique. Il a fallu du temps, beaucoup de temps, pour retrouver les boîtes noires. En tout cas, à l'écoute des boîtes noires, on se rend compte qu'il y avait une grande confusion au sein du cockpit. Les pilotes n'ont pas su interpréter les signes qu'ils étaient envoyés par cette sonde qui se trouve à l'avant de l'avion et qui a été givrée à cause des conditions climatiques. Et puis il faut dire également que les pilotes n'avaient pas la formation nécessaire, indispensable pour pouvoir gérer ce type d'accident. Et bien, 8 semaines de procès pour essayer de comprendre. Une bataille d'experts va probablement s'engager aux grandes dames, dit partie civile, qui, elle, voudrait comprendre ce qui s'est passé et avoir cette vérité judiciaire. Les deux entités, Air France et Airbus, risquent une amende pénale qui peut aller jusqu'à 225 000 euros. Le procès se termine le 8 décembre prochain. Merci Karim Hakiki pour ce compte-rendu. Bon, eh bien écoutez, à bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce, abonnez-vous, etc. À très bientôt.